Pour le droit et pour l'homme, c'est titre un livre ancien premier ministre Jean-Jacques Honorat écrit, il était présenté vendredi dans Inagué dans cadre quinzaine qui consacré à ancien président et professeur Leslie Maniga. Dans conférence li prononcé dans occasion an devant étudiants yo, doyen Inagué Robert Joseph avec plusieurs professeurs qui étaient présents, agronome Honorat dénoncé complot li dit qui toujours fait en Haïti contre la connaissance. Il était profité faire une série considération sous histoire pays a pour montrer patriotisme là pour coexister comme valet dans mitan haïtien yo. Yon parti dans intervention agronome Jean-Jacques Honorat devant caméra Jean-Joseph Nono. L'histoire de ce pays est un éternel complot contre la connaissance. Vous êtes en train de subir les effets. Soyez forts, la route est difficile. C'est vous qui devez venir faire ce pays. Nous, nous avons. Vous devez comprendre l'histoire de ce pays. Si un jour, cette histoire va changer, parce qu'il faut qu'elle change, sinon ce pays n'ira nulle part. On entend toujours de grands mots, de grandes phrases sur le patriotisme en Haïti. Mais en réalité, il n'en est rien. La nation haïtienne n'a jamais été accueillie ni traitée avec aménité dans le concert des nations du monde occidental. On se rappelle certainement, vous rappelez certainement, l'anathème lancé contre cette nation par le premier consul de France, Bonaparte. Après la déclaration d'indépendance du général Nègre, Jean-Jacques Dessalines, Bonaparte s'est écrié, ils ont osé faire ça, ils cuiront dans leur jus. Ça a été le mot d'ordre lancé depuis 1804 et que les nations blanches du monde respectent jusqu'à ce jour. On se rappelle aussi la déclaration du sénateur Thomas Benton des États-Unis. Nous n'accueillerons pas les représentants d'une bande d'anciens esclaves révoltés qui ont osé porter la main sur leur maître blanc. Voilà ce que le monde blanc nous reproche depuis 1804. Nous, sales nègres, sales esclaves nègres, avons osé porter la main sur nos maîtres blancs. Nous ne devons pas exister à cause de cela. Monsieur Benton s'opposait alors à la participation d'Haïti au premier congrès interaméricain de Panama. La nation formée d'anciens esclaves nègres ne devait pas être admise à avoir des relations avec les nations américaines que nous, anciens esclaves nègres, nous avons aidé à fonder. C'est nous, et Dessalines qui a aidé Miranda. Et quand Miranda a eu échoué, c'est Pétion, l'un des nôtres. Malgré tout, qui a aidé Bolivar à libérer le Venezuela, la Colombie et le reste. La nation d'anciens esclaves ne devait pas être admise à avoir des relations diplomatiques avec le beau monde blanc. Mais l'on appréciait bien les juteuses relations commerciales avec la florissante ancienne colonie de Saint-Domingue. Une colonie qui avait alimenté pendant 200 ans les deux tiers du commerce extérieur du royaume de France. Deux tiers. Donc c'est nous, anciens esclaves nègres, qui avons pendant 200 ans alimenté, fourni ce qui était nécessaire à la bourgeoisie française pour créer
pour créer l'économie industrielle de la France.